bonjour, comment ça va? Salut Joa, salut Guigui, salut Melgui, comment ça va? Bonjour, bonjour. C'est déjà le top 1 du jeu sur Twitch, hein? Ça veut dire quoi ça? Non mais y a personne dessus, vraiment? Comment ça va? Bonjour, bonjour. Salut ma biche. Salut Wilfried. Bonsoir. Ouais, c'est ça, c'est presque ça. C'est presque ça. Attendez, non mais vous me faites peur, y a vraiment personne sur ce jeu là, sur Twitch ou quoi? Enfin, à cette heure-ci, tu me diras, logique, quoi. Ah, y a pas un chat. Mais sans déconner, personne n'a précommandé ce jeu? Personne ne fait la bêta? Ou alors elle est dans un tel état qu'elle n'est pas jouable ou quoi? Jusqu'à 12 midi, on est dans le prolongement de la soirée d'hier. Ah, ok, c'est le Power Slide, comment il va? Bonjour, bienvenue. Ça va bien? En forme? Ah, il fait chaud, hein. Il fait chaud, hein. Il fait chaud, il fait chaud. Heureusement que je me suis levé tôt ce matin, et il fait chaud. J'ai l'impression que je fonds toute la journée. Alors je bois, je fais que boire. Bon! Non mais rassurez-moi les gars, ça vaut le coup d'y aller ou c'est pas la peine qu'on y aille? Parce que je voulais tester ça l'autre soir, malheureusement il y a eu un petit contretemps. Et donc là, là je me dis mais ouais, non mais ouais, mais il est un peu vide déjà là, je l'ai entamé là depuis hier soir. Non mais là ça m'inquiète là les gars, qu'il y ait aussi peu de monde sur cette bêta. Vraiment les gens ils rushent le jeu dès qu'ils ont un accès, voilà. Le jeu est jouable et ça peut te rassurer. Non, ça vaut le coup, moi je passe du bon. Ah, ok, ça commence à être mieux. Quoi? Ça commence à être mieux FM, mais encore du chemin. Non mais on n'est pas sur FM là, on est sur Test Drive. Non mais FM ne sera jamais, sans doute jamais, bon. FM, voilà, FM restera FM. On est sur Test Drive les gars, là je parle pas d'FM, mélangez pas tout. Bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Ou alors ça veut dire que quoi, dans une demi-heure on a tout terminé, à midi tout le monde va manger, barbecue, saucisse et voilà quoi. C'est ça? Bon allez, on est parti, on va tester ça, on va voir ce que ça donne. J'ai rien fait, hein. J'ai juste... Ah, vous savez comment ça marche, hein. J'ai juste essayé de créer un pseudo perso. Voilà, hein, vous savez comment ça marche, moi, les créations de personnages, je m'en fous un petit peu. Surtout qu'on se voit pas, donc on s'en fout. Enfin, sauf si ça a changé. Mais voilà quoi. J'avoue, hier, sur FM, j'ai pu faire une partie sans que ça bug. Ouais, mais ça... Non, mais ça bug pas autant quand même. FM, ça bug pas autant. C'est juste que c'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait, c'est tout. Bon, allez! Je dirais si au niveau du son ça va à peu près. On est parti. Ouverture de session. Connexion serveur. Ok. Ah oui, alors c'est vrai qu'il faut lier son compte à Nakon, je sais plus quoi là. Il faut lier son compte, sinon ça marche pas. Et puis, ah oui, alors aussi, c'est un truc aussi assez bizarre. Vous avez. Franchement, pour trouver la bêta, j'ai quand même galéré. J'ai quand même dit, mais comment cela est possible que ce soit aussi compliqué? J'ai dû taper close sur le store Xbox, après avoir bien évidemment précommandé le jeu, version Gold. J'ai dû taper close pour avoir accès au téléchargement de la bêta, qui bien évidemment fait le même poids que le jeu normal. Voilà. C'est un peu. Voilà, un peu bizarre, un peu compliqué, mais bon, écoutez, hein, c'est comme ça. Donc, on va pas. Mais en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas communiqué dessus. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est qu'ils t'expliquent pas petit A, petit B, petit C, 1, 2, 3, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment ça marche. Et avec ça, tu auras accès. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Bon! TDU a de belles années devant lui, et tant mieux. Ok, salut Hervé. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. J'avais un peu joué à la bêta PC, mais pas plus que ça. Voilà. Est-ce que c'est la même version? Est-ce que c'est une autre version? On sait pas. Montrez-moi les six Enfin, je ne sais pas. présélectionnés. Voyons qui intégrera la compétition. On va pas revenir sur le trailer. Ah, mais j'avais fait ça! Ah bah je peux le refaire. Alors vous allez voir à quelle vitesse évidemment je personnalise mon personnage. Alors non, pas du tout. Il y a un monsieur. Voilà, il y a un monsieur là. Hop! Coiffeur. Oui, voilà. Super. Non, ça, non.
On va faire un truc standard hein, quand même. Bah voilà un truc qui me ressemble. Ok, voilà. Est-ce qu'on peut valider directement? Terminé. Et voilà. Ça, c'est fait. Oh là là. Tu vas voir si tu vas faire des cours sur Terre, il y a beaucoup de particules. Mais le gros problème de cette bêta, c'est exactement le même que sur PC. Ah ouais? Oh merde. Bon, bah, on verra les gars. On verra. C'est moi où il y a des espèces d'effets de lag. Ok. Ok. Aberdeen Island, Hong Kong Island. Mais on est dans Cyberpunk? On avait déjà ça sur PC? Je me souviens plus. Plus du tout. Il y en a beaucoup qui ont précommandé le jeu et qui ont testé la bêta. Ah, par contre, graphiquement, t'as vraiment l'impression d'être dans la continuité des anciens test drive. Bienvenue à Hong Kong Island. J'espère que vous avez fait bon voyage. Je suis Viviane Hugues et je représente l'organisation Solar Crown. Salut Anthony. Veuillez me suivre. C'est un peu plus fort, hein. Comme vous le savez, cette compétition n'est accessible qu'à l'élite. Mais je crois avoir vu en vous un certain potentiel. Ici, chaque participant commence avec les mêmes cartes en main. Alors, il va falloir vous distinguer derrière le volant. La première étape sera de me convaincre que je ne me suis pas trompé. Et pour ça, j'ai ce qu'il vous faut. Une Lamborghini Huracan. Magnifique. Formidable. Une voiture qui allie élégance et puissance. Elle sera. Est-ce qu'on sait si... Parce que je me suis pas renseigné, j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps là dernièrement. Est-ce qu'on sait si la bêta, elle sera effacée? J'imagine que oui et j'espère que ce sera ça. Tous les véhicules oula, c'est quoi ces petits... compétition sont équipés de nos dernières technologies. Oula, c'est quoi ces petites ombres là? Et notre dernier bijou en matière d'intelligence artificielle... Autour des parties. Vous pouvez vous connecter. C'est bizarre. Les graphismes me dérangent pas, à part la vitre noire sur les PNJ. Oui, c'est ce que j'avais effectivement déjà moi aussi noté sur le précédent, la précédente bêta sur PC. Non, graphisme, bon, voilà, c'est pas le plus important. Donc voilà. Vous savez quoi? Je vais moi-même vous faire visiter l'île. Suivez-moi. Okay. Changement de rapport, c'est violent. Oh là là! Ah, je m'attendais pas à ça. Voilà le public. C'est lui que vous devez impressionner. C'est l'attention des spectateurs qui vous permettra d'évoluer dans la compétition. La notoriété est essentielle au sein du Solar Crown. Vos accès seront définis par l'intérêt que vous suscitez chez nos invités. La compétition est au centre de la. Mais voyez ces espèces de. Le petit point noir qu'il y a sous l'aileron. Je sais pas si vous le voyez bien, vous, sur votre écran. Il y a tout du... C'est, graphiquement, c'est un truc de fou. Attends, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on a la possibilité... Tac, parce que moi, à la rigueur... Ah, mais je pense qu'il va falloir que je redémarre le jeu. Merde. Si je change quelque chose... Contrôle, on s'en fout. Quoique, contrôle et manette, ok.
Information. Caméra, affichage, on verra au fur et à mesure. Oh, faut que je regarde. Ouais, mais c'est ça en fait, l'ombre et c'est particulièrement, c'est y a, en fait t'as l'impression qu'il y a une nuée de fourmis là derrière cette derrière son truc. C'est par là, c'est par là. C'est très très bizarre. Je sais pas si on avait ça sur PC, j'avais pas noté un truc comme ça. Là on peut changer de point de vue. Vous connaissez les clans du Solar Crown? Leurs recruteurs sont là pour observer. Ok, les deux clans. Les clans regroupent Sharp les participants et Street. Les plus fortunés du Solar Crown. Les rejoindre, c'est s'assurer d'aller loin. Les Sharps sont aussi redoutables en affaires que derrière un volant. Ils incarnent l'exigence, l'élégance et l'ambition. Les Streets, quant à eux, sont là pour marquer les esprits et mélanger les gens. Salut à ceux que j'aurais pas salué encore. Ils sont audacieux et ouais, je vais passer en manuel, on va changer tout ça tranquillement. Salut Julien. Dans la compétition contre les médias, ils ne passent pas inaperçus. Vu votre potentiel. Alors, les caméras, ok. Votre ok. Est entièrement ok. Allez. J'avais pas, ouais, non, j'avais pas l'impression qu'il y avait ce genre de choses là sur PC. Changement de rapport, pareil, au niveau du son, j'ai pas l'impression d'avoir ce genre de bruit en fait. C'est arrivé. Les Streets, ce sont les FCQP en somme, peut-être. Alors. Ah oui, il y a énormément cet effet là autour du. Ah ouais, en fait, toutes les ombres sont comme ça. Sous le rétro. Je vais vous laisser affronter tous les participants. Mais attends, il y a une partie qui est en français, une partie qui est en anglais. Si vous réussissez, vous participerez. Ah ouais, vous avez vu comme c'est pixelisé. Vous deviendrez une star de la compétition. Waouh, c'est fou ça. Hissez-vous au sommet, gagnez le cœur du public ou même le respect des clans. Ok. On va faire très chaud et humide. Maintenant que vous vous êtes échauffé, nous allons passer aux choses sérieuses. Je vais vous montrer les prochaines étapes de votre processus de sélection. Je vous ai mis le point GPS sur votre carte. Nous pouvons nous y rendre quand vous voulez. Eh bien, merci beaucoup. De toute façon, je peux rien faire d'autre, ok. Ok, on va y aller, zoomer, dézoomer. Et on peut... Ok, d'accord, on va y aller, hein, let's go. Ah ouais, le changement de rapport, c'est... C'est violent. Ah, et alors attends, il n'y a pas aussi ce système de plus tu roules, plus tu gagnes de crédit. Mais ça, il me semble. Hein. Et là, je peux ouvrir la map à n'importe quel moment. Ok, impeccable. Tac, tac, tac. Hop. Boum. Alors, les dégâts sont comment, les dégâts? Comme avant. Ok. Ça, ça ne change pas. De toute façon, hein. Les dégâts, faut pas se faire d'illusion, on n'aura pas grand chose. En fait, c'est vraiment ce que j'avais remarqué sur la version PC,
c'est graphiquement, je trouve que tout l'environnement est magnifique, vraiment magnifique. Les bagnoles, par contre, ça me laisse un peu plus dubitatif, quoi. Le son est pas dégueu. La physique, en fait, c'est pas complètement déconnant, la physique, pour l'instant. Alors, on verra en course ce que ça donne. J'avais pas été trop choqué. Je trouve même que ça s'est peut-être un petit peu amélioré. Alors, c'est la version console, hein. Est-ce que c'est différent de la version PC? Ça, je saurais plus le dire. Et effectivement, les PNJ avec leurs fenêtres noires, ça fait vraiment bizarre. Ça fait très très bizarre, ça. Allez, c'est parti, on lance l'épreuve. Ouais, c'est ouais, la ville est très vide, ouais. Alors, est-ce que c'est vide parce qu'il fait nuit? C'est pas impossible, tu vois. Ça pourrait coller. C'est cohérent. Alors, je sais pas ce que j'ai réglé comme ça. Ah ouais. Oh ! Ah, par contre, le son, t'as l'impression que ça sature. Waouh ! En fait, t'as l'impression d'être dans un battlefield sous les bombardements. Je sais pas si ça fait le même effet chez vous, mais alors moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça, quoi. C'est le Covid, encore là-bas, encore le confinement. C'est le prochain, c'est ça, celui qu'on va bientôt avoir. Des feux d'artifice. Non, c'est vraiment bizarre. Alors ouais, il y a quelques moments, je sais pas si on peut le régler, ça. Oh la vache, le son. Ça se détruit, hein, ça se détruit. Ouais, ça, en fait, alors ce que je trouve pas mal, c'est quand tu détruis un truc, c'est vraiment ralenti. T'es beaucoup ralenti. Par contre, je sais pas ce que j'ai comme difficulté parce qu'ils sont quand même très loin derrière. Et je suis pas en train de m'arracher là. Hein. Donc, voilà. Ok, super. Qui m'a balancé ça? Josque. Ah là là. Bravo à moi. J'ai gagné. Bravo à moi. Et là, en fait, j'ai démarré le jeu et j'ai rien touché. Voilà, j'ai démarré, j'ai rien touché, j'ai rien paramétré, j'ai rien modifié. Que dalle. Ah, c'est pas possible, ça. Fallait qu'il lance ça, lui. Bravo, hein. Tu casses toute l'immersion en jeu. Tu te rends compte? Voilà. Bravo. Bravo, hein. Bravo, hein. Non, alors attends. Est-ce que... Alors là, on avait accès à quoi déjà? Ok. Les voitures. Plus vous attirez l'attention sur vous, avec davantage de réputation, vous aurez accès aux courses et véhicules réservés uniquement aux participants sélectionnés. I've marked your next race. You can open your map to check its location. Alors, j'espère qu'ils traduiront tout en français, parce qu'avoir une partie en anglais, une partie en français, là, c'est pas, je sais pas, c'est pas très cohérent. Je trouve, encore une fois. Hein, ce n'est que mon avis, mais je trouve que c'est pas très cohérent, quoi. On va aller là-bas. C'est même un peu bizarre, d'ailleurs, le fait qu'il y ait ça. Donc là, on a la map. Et là, on arrive là-dessus. Ok. Ah, c'est vraiment le même menu que sur PC. Ça va, c'est pas trop déconnant. Audio. Volume de la radio, bon ça je m'en fous, la radio je l'écoute pas. Volume GPS, ouais tout est à fond, quoi, ok. J'ai le microphone, ça non. Ok, ça c'est désactivé. Où est-ce qu'on a... Ouais tu vois, langue audio,
français. Où est-ce qu'on a la difficulté? Vitre ou choisir votre radio. Où la difficulté là? Elle est où? Elle est où? Elle est où? TDU et moi, c'est qui ça? Ça c'est moi, super, magnifique. Ah, j'ai passé du temps quand même hein, à essayer de tout paramétrer correctement. Donc là c'est quoi? Là ce sont tous les scores, toutes les épreuves. Ok. Ok, d'accord. Et longtemps qu'on n'y était pas, hein, donc j'essaie de retourner, de retrouver mes petits là. Elle a la conduite. Qu'est-ce que j'ai? Novice. On va mettre expert. Expert, expert, expert. Ok, voilà. On va voir ce que ça donne. Si c'est conduisible ou pas. Boîte manuelle, oui, bien sûr, oui, ok. Ça, alors par contre, on peut la paramétrer la boîte ou pas? Ah la vache, ouais, mais là c'est vraiment très très pixelisé là. Il fallait pas aussi découvrir l'intégralité des routes? On avait un truc à faire comme ça, non? Ça c'est la up et ça c'est la up. Okay. Ouais, je sais pas, je trouve que vraiment, je trouve que l'environnement, que les bâtiments sont très bien foutus. Ça, je trouve que vraiment, c'est joli. J'entends quasiment plus. J'entends plus le GPS. Ah, ça j'avais bien aimé ça, le passage sur les pavés. Quand il y a des changements de revêtement, c'est vraiment très bien foutu, je trouve. Le son est vraiment magnifique. Ouais, là franchement, c'est joli quoi. C'est très très beau l'environnement. Vous êtes arrivé. Ah, l'environnement est sympa, vraiment sympa. Très sympa. Je suis arrivé où? Où est-ce que je devais aller? Non, c'est de l'autre côté que je devais aller. Allez, go! On va essayer de récolter un peu de sous-sous. Histoire de pouvoir acheter des nouvelles voitures. Ce serait bien ça, non? Il y en a qui ont pas mal avancé déjà, il y a des trucs sympas à faire, des trucs sympas à découvrir, des courses sur terre, des choses comme ça, auxquelles on n'avait pas accès peut-être sur la bêta PC. Ou du moins avec qui n'avait pas les particules, c'était moins joli, moins fin, tout ça. Allez go, c'est parti! Alors on est en expert là. Oh, wow 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 wow. Wow, 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 wow. Ah, ça glisse un peu plus, ok. Ah, on peut pas sauter au-dessus du rond-point. Dommage. Il va quand même falloir que j'essaie de trouver le point d'ajustement parce que c'est pas dingue quoi. Là je suis pas un expert, c'est impossible. Aussi ça compte pas ça. En quoi ce jeu
Et là, vraiment, je pose la question encore une fois, en quoi ce jeu va se différencier d'un Forza Horizon, d'un Motorfest, d'un... comment ça s'appelle ? D'un Need for Speed. Et est-ce que ce jeu a encore sa place aujourd'hui parmi tout ce qui existe déjà ? Est-ce que graphiquement, est-ce que au niveau des enjeux du gameplay, est-ce qu'il a encore sa place ? Mais vous aviez eu le même type de son là que ce que j'ai là ou pas là ? Parce que là, comme disait quelqu'un tout à l'heure, là c'est le 14 juillet, hein. Ça n'arrête pas, ça pète de partout là. Même sur les chemins de terre, on vu l'intérieur, on entend les cailloux taper sous la voiture. Ah ouais, ah pas mal. Ça c'est, tu vois, ça c'est des petits détails que je trouve vraiment top. Par contre, là, le son des bagnoles. Qui a mis de la musique là? Qui a mis de la musique? Ah, faut que je coupe la musique. Pourquoi la musique elle apparaît tout d'un coup là? Pourquoi? J'ai pas demandé de musique moi. Quête terminée, bravo à tous. C'était dans quoi? C'était là-dedans, je crois. Audio. Zik, hop, on vire tout ça. Zik, on vire tout ça. Par contre, ouais, alors la radio, pareil, hein, ça. La radio. Tac, tac, tac. Volume principal, son du. Ouais, alors je sais pas si en le baissant un peu ce sera moins violent. On verra, hein. Mais voilà. Vidéo, y a pas grand chose à régler. Ok, allez go. Ton life size, je dirais. Pour moi, c'était limite un mélange de Forza de GT7. Si vous recevez ce message, c'est que vous avez été choisi pour intégrer le Solar Crowd. Félicitations. La concurrence promet d'être intéressante cette année. Les communiqués comme celui-ci permettront de vous tenir au courant des actualités du Solar Crown. Ils contiennent tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux événements disponibles et les derniers arrivages. Il est temps maintenant pour vous de rejoindre la compétition. Et pour commencer, nous allons partir vers Hong Kong Island. C'est là-bas que votre aventure débutera. Allez, let's go! Débutons notre aventure! J'indique sur votre carte l'emplacement de l'héliport pour vous y rendre. Parfait. Allons à l'héliport alors. Sans plus tarder! Alors... Ah ouais, bon, la leçon, pff, c'est toujours pas... Hein. J'espère qu'il y aura suffisamment de choses à faire. Et qu'il y aura suffisamment, oui, comme dit, de des choses... je crois qu'il y avait des trucs quotidiens à faire. Plus ou moins réguliers. Et ça pourrait être pas mal, quoi. Alors, la physique, c'est vrai que j'ai un peu de mal par rapport à du... à du FH ou même du formidable Forza Motorsport. Mais ça va. Je trouvais que c'était un peu moins facile sur PC à l'époque. Je trouvais. Et alors, par contre, il n'y a pas un chat. Il n'y a vraiment personne. Les breaking news, du coup, ça te coupe. Ouais, mais déjà à l'époque, ouais, sur PC, j'avais trouvé que c'était un peu... ça cassait le rythme, en fait, quoi. Mais on doit pouvoir le désactiver, j'imagine. Enfin, j'espère. Alors, on va pouvoir rentrer là-dedans. Go. Mais alors, est-ce que les breaking news, au bout d'un moment, une fois que tu as toutes les infos, que tu sais tout ce qui se passe, est-ce qu'il y en a encore? Tu vois, ça aussi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine quantité de breaking news, et à un moment, une fois qu'on t'a informé de tout, bah, il t'en a plus, quoi. Doit rester ici, mais vous et moi partons pour le Solar Hotel, le cœur de la compétition. La tête qui fait mon perso, t'as vraiment l'impression de quoi elle me parle? Pourquoi? Pourquoi elle veut que je fasse ça? Oh la va, ah ouais, là c'est pixelisé, hein. Waouh. Pas bien Flog en forme.
Ah, temps de chargement. Ah, c'est pas là où on va nous filer notre appart? Le plus haut de Hong Kong, que nous avons bâti spécialement pour l'occasion. Et vous n'avez encore rien. Le jeu plantait? Ah ouais, sur console. T'es sur quoi comme console, toi, Power Slide? Là, moi, je suis sur Series X. Ouais, ça va, Flog, impeccable. C'est férié aujourd'hui, donc c'est cool. Series X aussi? Ok. J'ai une petite urgence à régler. Prenez cet ascenseur, il vous amènera à vos appartements. Ah, oh, suffit hein. J'ai viré ce truc là hein. Here we go. Ah alors, ça y est, on arrive chez nous. C'est ça? J'arrive chez moi, j'arrive dans mon appart. Je vous accompagnerai aussi dans l'organisation de vos activités. Ah, couper ça. Allez. D'ailleurs, Madame Hugues vous attend au concessionnaire. Prenez l'ascenseur et rejoignez le hall de l'hôtel. Un chauffeur va se charger de vous y conduire. Ah ouais, voyez à quel point. Ah ouais, c'est fou, hein. Ah, c'est fou. Ah, graphiquement, c'est dingue. Ah, les ombres, elles sont pas folles, hein. Ah, les ombres. J'avais vraiment pas l'impression qu'il y avait ça sur PC. Qu'est-ce qu'on peut faire, là? Qu'est-ce que je me souviens plus. Montrer l'interface. Ok. 5 heures, éclaircie, averse. Ok. Super. Ça c'est vraiment le genre de truc, je sais pas trop si je vais beaucoup jouer avec ça. Magnifique tableau, incroyable. On repart avec les pantoufles de la chambre. Ouais mais c'est chez moi ça. Donc je vais pas les piquer. Ok. On peut s'asseoir? Non. Okay. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à regarder ici? Il y a rien de plus hein, je crois. Il y a pas un truc là derrière? Ah bah voilà. La garde-robe. Ah là 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 là. Alors, voilà. Voilà. Non mais ça on voit plus après. Ok, ensuite. Voilà. 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 Oui, évidemment. Voilà qui est fait. Parfait. Voulez-vous vous changer et porter ces vêtements avant de sortir? Évidemment. Même pas venu chez moi pour rien. La vache. C'est comme ça qu'il claque les portes de son placard, lui? Waouh. Allez, go. Maintenant que je suis habillé, on va pouvoir aller rouler. N'est plus... Ouais, oh, très beau ça. La licence n'est plus que l'ombre d'elle-même. Voilà. Bravo. Voici le hall du Solar Hotel. Ici, vous trouverez... Mais non. Mais non, mais pourquoi tu m'as envoyé ton perso? Mais tu te rends compte là du choc que j'ai eu? Ah ouais, ah ouais, je pense que là effectivement au niveau des persos, je crois qu'il y en a qui vont se lâcher là. Vous les croiserez ici tout au long de la compétition. Tout comme vous, ils ont réussi à passer les épreuves de sélection. Votre chauffeur vous attend à l'entrée du hall. Il vous emmènera au concessionnaire. Gain de frime. Ok, il y a ça à gagner. Parfait. Et belle voiture là, dis donc. Hein. Par contre, je note que, en termes de couleur, c'est pas ça. Hein. Il y en a qui devraient un petit peu suivre mes vidéos de customisation de véhicule. Pourquoi je peux pas lui.
Ah, j'ai quand même la classe. Eh, hey, Madame franchement. m'a chargé de vous conduire. Bien, allons-y. Ah, je sais pas si on va tous avoir la même tête. Non, je pense pas, non. Il n'y a pas de verre? Comment ça, il n'y a pas de verre? Non, là, c'est vrai que c'est un peu triste. Hein. Alors, voyage rapide. Voyage rapide. Le croc top te va à merveille, tout à fait. Le jeu pèse combien? 45 gigas? Console dans ces eaux-là, 45, 46. Ah, parfait. Vous arrivez à temps. Ah la dégaine, tu gars. Ah la dégaine, du gars. Le mec blasé. Un lieu comme celui-ci à travers l'île. Nous tenons à proposer à nos participants les meilleures voitures possibles. Cependant, certains de ces véhicules seront accessibles si vous gagnez suffisamment de résultats. Vas-y, cause toujours, tu m'intéresses. L'organisation a bien les moyens de ses ambitions. Et donc, justement, voici les trois premiers véhicules disponibles pour débuter la compétition. Faites votre choix. Le Solar Crown tient à créditer votre compte avec vos premiers Solar Coins. En ce qui me concerne, je dois vous laisser. Mais j'imagine que nous aurons le plaisir de parler à nouveau. En attendant, vous pouvez maintenant vous mesurer aux autres membres du Solar Crown. Bonne chance. C'est nul. Ah, c'est nul. Ah, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai 150 000 crédits, les gars. 150 000 crédits. Qu'allons-nous acheter? Alors, pour un sub, vous avez une Mustang. Pour qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour alors les voitures françaises c'est assez cher, hein. C'est assez cher mais c'est extrêmement qualitatif. Pour deux subs vous avez une Alpine. Et puis alors les voitures japonaises malheureusement ça vient de très loin. Donc là on est à peu près à 25 subs pour la voiture japonaise. Voilà, hein, on est d'accord. Voilà. Non donc en fait on peut acheter différentes bagnoles. Donc 110, il y a 96 pour l'Alpine. Et puis la Mustang, on était à combien? On était à 114. Ok, bah écoute moi, pas de problème, je vais acheter la française. Allez. Vous hésitez sur la voiture, alors. Choisir, essayez-la d'abord. Le test. Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait l'essayer, effectivement. Ouais, ça je me souviens. Ah oui, c'est vrai, Hong Kong, c'est pas loin, mais bon. Alors attendez, attendez, attendez. Par contre, moi, ce que je veux faire, c'est, je veux bien l'acheter, mais est-ce que... Ah oui, tout ce... paye dans ce jeu. Il n'y a pas de verre. Rare. 699 crédits. Ok. Alors, faut payer effectivement. Alors, ok, je vais prendre ça. Alors, l'intérieur. Ouais, ok. Marron. Ah ouais, c'est magnifique. Ah oui, c'est vrai. Merci pour le slide. C'est vrai, c'est vrai. Ah ça c'est bien moche, on va prendre ça. Alors les jantes, franchement on s'en fout, on les voit pas. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. On achète. Bienvenue au Solar Crown. C'est son grand retour pour cette nouvelle édition. Hong Kong Island a été transformé en une gigantesque terrain de jeu réservé aux pilotes les plus prometteurs. Je suis d'accord. Développez votre réputation pour briller dans le Solar Crown. Vous devez attirer l'attention sur vous. Ici, votre réputation auprès du public qui vous fera progresser et peut-être même accéder à la Solar Courte. Montrez au monde qui vous êtes. Pour cela, faites-vous remarquer derrière le volant. Vous pouvez performer dans nos épreuves, participer aux activités ou explorer Hong Kong Island. Au Solar Crown, il existe de multiples façons de vous démarquer. J'espère également qu'on va pouvoir peut-être également mettre des belles couleurs sur les voitures. On voit pas les jantes. Ah, quand tu roules, tu vois pas tes jantes. Pour un slide, tu vois. Quand t'es en intérieur, tu peux voir à la rigueur peut-être une petite partie de l'intérieur. Mais c'est tout, quoi. Ah, je pense que c'est maintenant qu'on va pouvoir parcourir les routes et débloquer toutes les routes de Hong Kong. Je crois que c'est ça. Hein. C'est pas sympa, Suzu et Fred. C'est pas de la F1 là, on n'est pas sur Alpine F1. Attention. C'est le moment d'entrer pour de bon dans la compétition. Les il fait jour à un moment à Hong Kong. Merci. Ah, voilà. Briller sur ces courses pour... J'ai mis à jour mon firmware. Si cela vous intéresse,
Je vous ai connecté à mes autres utilisateurs. Leur sélection vient tout juste de se terminer. Ouais, bah c'était pour tomber sur des membres de la FCQP, merci quoi. Allez, go. Sélectionnez quoi ? Tu veux que j'aille où là ? Bah, et là-bas ? C'est en service ? Le son est pas mal des voitures. Ah voilà, c'est effectivement c'est là qu'on va pouvoir débloquer toutes les routes, ok. Donc c'était une espèce de tuto ce qu'on a fait avant, ok. Oh, le bruit de la pluie est pas mal. Pas de la route mouillée. Ça se pète les arbres, oui ça se pète les arbres, ok. Ah oui, faut rouler à gauche. Bon app. En fait, j'ai envie de parcourir toutes les routes là. Ah, alors par contre, ouais. Allez, go, on va se rendre là où on doit aller. Les changements de rapport sont vraiment très violents. Hein. Les dégâts, on avait testé un petit peu sur PC, c'est pas dingue. De toute façon, je pense que de ce côté-là, on n'aura pas grand-chose. En termes de dégâts, ça c'est la station service. Maintenant, pour nettoyer, réparer la bagnole. Magnifique, changer de voiture, donc ici on peut changer de bagnole, ok. Pour l'instant, je n'ai que celle-ci, dans mon garage. Épave à proximité. Alors à proximité. Ah, je trouve par contre que le son du sonar c'est pas très fort. Quoi, je n'entends plus le... Ah voilà. C'est pas à proximité. Ah, je dois pas être loin là. Ça doit se voir ça, non? Elle est où là? Elle est sous le pont? Éloigne. Ou alors c'est au-dessus. Qu'est-ce qu'il fait lui là? Qu'est-ce qu'il fait le PNJ? Ok. Le mec est bourré. Le mec est bourré, le mec est en roue libre. Ah, il veut vrai. Ah, il insiste en fait, hein. Il insiste, hein. Ok. Attendez, on va essayer de l'aider, hein. Peut-être que. Voilà. Ah, hey, il s'en va sans dire merci. Ben, bravo. Bravo. Ah ouais, ok. Oh là, eh. Ok. Waouh, il a fait peur lui, hein. Ok, pas mal, hein. Pas mal. Qu'est-ce qu'on a là? On peut acheter des... Oh, allez, on va faire une cour. Non, on l'a pas déjà faite celle-ci? Ça c'est quoi? Ça c'est... Concessionnaire. Allez, go. J'étais très très surpris par la physique de... C'était quoi qu'on avait testé? C'est la 2 chevaux, je crois qu'on avait testé. Enfin, franchement, les sons sont vraiment pas mal. Et c'est assez fidèle aux voitures. Enfin, de ce qu'on connaît, quoi. Allez, on va arriver là-dedans. Vous êtes arrivé. On peut même pas y aller, c'est vrai. Ah oui, niveau 5 de réputation. On peut pas accéder à tous les concessionnaires
C'est en fonction du niveau qu'on a. Ok, impeccable. Alors, je sais qu'effectivement, ils avaient communiqué sur voilà, les parking lanes, le fait qu'on puisse se garer ici. Mais alors, à quoi ça sert concrètement? Je sais pas trop. En dehors du fait que ce soit ouais, voilà, réaliste, immersif, RP. Mais est-ce que ça a une utilité? J'ai pas l'impression. Alors, on gagne des points en faisant du drift. Plus on roule, plus on gagne des points. Plus on gagne de crédit. Nouveau district découvert. Ah oui, c'est vrai, le départ de tout à l'heure là. Bon, le son de la flotte est vraiment sympa. Allez, nouveau concessionnaire découvert, mais on peut pas rentrer non plus. Ok, pas de problème. Ah, peut-être, ouais, lol, peut-être. Il y a des gens qui ont testé au volant pour voir ce que ça donne. Donc, on a eu de la nuit, de la pluie. Est-ce qu'on peut avoir juste du soleil, s'il vous plaît? Ce serait pas mal, ça. Waouh! Oh, je l'ai pas vu lui. Bienvenue Maxcar, bienvenue à toi. Bon, par contre, ce qui est, je trouve, un peu triste, c'est de devoir précommander le jeu sur console pour avoir accès à la bêta. Ça, je trouve que c'est pas cool. Ah tiens, des petits chemins de terre. Oh la fa... Ah oui. Ah oui. Ah là c'est pas mal ça. Ah là ça glisse. Ah ouais. Alors ça, alors là franchement les mecs, chapeau. Ah ça glisse pas mal. C'est sympa. Calibrage du son est à revoir car le son de la pluie... Ah ouais, ok. Bah oui, le GPS tout à l'heure, j'ai pas compris parce que j'entendais quasiment plus le son du GPS. Ah oui. Salut Dragon Wings. Ouais, ouais, c'est, bah justement, c'est ça le problème. C'est que la version PC, c'était ouvert à tous. Et la console, c'est faut avoir précommandé. Et en fonction de la version que tu précommandes, t'as pas forcément les mêmes accès à la bêta. Enfin, c'est... Ouais, je trouve ça moyen, quoi. Bon, après, j'imagine que si t'es pas content du jeu, tu peux toujours annuler ta précommande. Mais que ce soit conditionné par une précommande... À la rigue... Bon, après, je sais qu'il y a aussi, attention, l'accès anticipé. C'est-à-dire avec la version... Ah, ça y est, du soleil. Avec la version Gold, t'as 7 jours d'anticipé, il me semble. Qu'est-ce que ça donne quand on descend par là? Ouais, bon, ça, la physique, on avait vu déjà sur PC, c'était pas fou. Par contre, là, les traînées, c'est pas mal. Et je trouve que la physique sur la terre mouillée, ah, c'est... Tu sens bien que ta bagnole, elle est pas vraiment faite pour ça. Non, la conduite, franchement, ça va. Je m'attendais à pire. Et c'est pareil sur PC, en fait, si tu veux, Dragon Ball, j'avais... J'avais l'impression que c'était un peu plus casse-gueule. Mais là, ça va. Sur PC, je trouvais que c'était plus proche d'un The Crew 2, pas, ou d'un Motorfest, peut-être plutôt, que d'un Forza Horizon. Mais je sais pas s'ils l'ont modifié, je sais pas s'ils ont changé, adapté quelque chose. Mais ça va, je trouve ça va. Bon, là, ici, c'est pas forcément le bon exemple, hein. Mais en tout cas, tu sens que... Donc là, ça c'est pas mal. Ils sont vraiment que ta bagnole là,
elle est pas là où elle devrait aller. Attends, y a pas un petit truc là. Trouver un passage secret. Où allons-nous? Oh, j'ai trouvé des sous. Wouh! Bravo. Je sais pas si c'est le vrai changement, j'ai pas trop suivi le truc. Mais franchement, ça va, ça va. Alors, ce que je veux voir aussi, ce sont les particules de poussière. Voir ce que ça donne. Salut, Bufuji. L'Alpine n'est pas faite pour rouler tout court, c'est méchant. Tant que c'est pas une des fins, ça passe. Hein. D'ailleurs, faudra qu'on continue notre carrière en duo. Il y a de la poussière et de la fumée. Non, je trouve que. Ça, tu vois, je trouve que c'est un peu plus réaliste que ce qu'on a sur du FH. Où tu sens que la bagnole, elle peine un petit peu quand elle doit monter une côte ou quand elle n'est pas sur son terrain favori. Le jeu est assez beau. Je dirais qu'il est correct. Beau, je dirais pas jusque là. Oh, si, à la rigueur, en fait, l'environnement, les décors sont sympas. Les bagnoles sont correctes, mais vraiment sans plus. Vraiment sans plus. Les bagnoles, moi, ça me fait penser parfois au graphisme qu'on a sur les jeux mobiles. Hein. Clairement. Non, le truc qui me plaît bien, moi, c'est le son. Le son est vraiment sympa. Un peu trop. Est-ce que si je me fous en mode photo, je peux aller balader par là-bas, voir ce qui s'y passe? Ouais, ok. C'est quoi ce bruit? Quoi? Ce bruit? Pourquoi il y a toujours des bruits parasites? Allez, on va voir où nous mène cette route. Il faut atteindre le niveau 5 de réputation pour pouvoir accéder à différents concessionnaires. Ouais, ce qui est bizarre, c'est que t'as toujours des bruits parasites. Ça tape, ça cogne. Je sais pas trop. Oui, des traces dans la boue, c'est plutôt pas mal. Ah, joli ça. Ce petit chemin. Pas mal ça. Ah ah, on va tenter un truc là. J'y crois pas, mais on va tenter un truc. Attendez. On va tenter un truc, hein. Merci Tidav, salut à toi. On tente un truc là. C'est pas passé sur ton stream? Ouais, écoute, nickel, ouais, on a fait du tout terrain avec une Alpine, on a testé des petits chemins, vraiment génial quoi. Non, je parle pas des sons des petits cailloux. Quand on était en mode photo tout à l'heure, tout d'un coup tu entends taper, tu sais pas pourquoi, t'es à l'arrêt donc y'a pas de raison que ça tape, tu vois. Ah, c'est sympa. Ah, et du coup là là je suis arrivé sur un vrai chemin qui est censé nous mener quelque part, évidemment. Ça passe nickel. Eh, c'est une Alpine hein. Quand tu es dans la chambre, t'entends un bruit de pot de fleurs brisé par exemple, alors. Ah ouais, carrément. Allez, ça c'est les voisins pour un slide. Ça c'est les voisins qui sont pas contents. Alors où sommes-nous ici? Ok. Mode photo. Ah, le mode photo, je sais pas, c'est...
C'est avancé. Ouais, ok, le profondeur de champ. Environnement. Ok. Ok, bon, ok. Je suis arrivé là-haut. Allez, on va essayer de faire peut-être une ou deux courses là. Trouver de quoi faire. Si je passe par là directement, j'arrive où? Ça c'est bien fait par contre, toutes les petites feuilles là, tu vois, je trouve que franchement c'est sympa. Visuellement c'est très joli. Je sais pas où ça va nous mener, mais ça va nous mener quelque part. Ouais ouais, mais c'est un peu dommage parce que je trouve que sur un jeu comme ça, un mode photo un peu plus poussé, ça aurait pu être vraiment sympa. Alors est-ce que ça viendra par la suite? Est-ce qu'ils ont prévu des updates comme certains autres jeux quoi? Quête terminée. Qu'est-ce que j'ai eu? Quoi, je suis déjà au niveau 5? Mais non. J'ai 64 000 crédits. Ah, je suis au niveau 5. Oh, d'accord, ok. Eh bien, soit. Donc, ça veut dire que, oui, j'ai accès au... aux autres concessionnaires. Alors, attends. Attends, où est-ce qu'on a notre map? C'est là. Ah non, les communiqués, ça suffit, hein. Ah oui, donc là, je suis vraiment dans la partie Pampa. De la map. C'est quoi ça ici? Le Solar Crown est là pour... Eh, bon courage, Billy Moïse. Vous pouvez dès à présent accéder à nos ateliers. Les ateliers intégralement automatisés. Aux limites du monde. Ah, je sais pas qui se verra, je suis pas encore allé jusque là-bas. Vos véhicules dans le moindre détail. Le comité du Solar Crown vous félicite pour vos progrès. Il vous offre des Solar Coins afin de vous acheter votre première pièce. Ne vous inquiétez pas, Alice vous expliquera tout ce qu'il faut savoir. Tu vois, regarde, le graphisme de ça, ça va pas. Pourquoi c'est saccadé comme ça? En fait, tout ce qui est vidéo... Tout ce qui est vidéo, c'est extrêmement saccadé. C'est pas fluide. Alors si c'est un effet, je sais pas, ça me... Ça me branche pas tant que ça, quoi. Vous ne pourrez pas y participer tant que vous n'aurez pas un véhicule plus puissant. Pour faire ces modifications, vous devez vous rendre à l'atelier. Je vous l'ai indiqué sur votre carte. Merci. Allez, go. Dans ce cas, je vais vous apprendre à améliorer votre véhicule. J'ai indiqué un atelier sur votre carte. Allez-y, et nous pourrons mettre les mains dans le cambouis. Eh ben c'est parfait. Par contre, moi, je voudrais juste me rendre là où j'avais prévu d'aller tout à l'heure. Ah non, donc j'ai pas le choix, en fait. Faut que j'y aille. Avec un voyage rapide. J'ai pas le choix. Ah ouais, donc ils te disent... Tu peux aller là-bas? Non, c'est pas tu peux, tu dois aller là-bas. T'as pas le choix. Bon, bah allons-y, alors, hein. Soit... Ouais, mais c'est chiant. Alors, attends, sauf si... J'espère qu'après je retournerai là où j'étais précédemment, mais je suis pas sûr. Parce que c'est un peu chiant ce truc là. Ça te force à faire quelque chose que t'as pas forcément envie de faire. Bon, bref. J'ai récupéré les sous. Alors, ensuite, qu'est-ce que je dois aller faire là-bas? Acheter et installer des pièces ou changer l'apparence de votre voiture pour vous démarquer sur la piste. Mais d'abord, nous allons modifier ce qui se trouve sous le capot. Eh, tant que c'est offert, moi je veux bien. S'il faut que je commence à dépenser des sous, j'en ai déjà pas beaucoup, alors s'il vous plaît. Hein. L'installation d'une pièce augmente votre indice de performance, ou IP, un système de notation des performances de vos véhicules. Grâce à l'interface de votre atelier, vous pouvez voir l'impact d'une pièce en particulier sur votre indice. Ok, 17 000 balles. Par contre, ça à côté, il faut être niveau 25 pour avoir accès à ça. 35, 45. Ok, donc t'as pas accès à toutes les pièces. Ça va dépendre vraiment du niveau où tu es. Donc là, on aurait 17 000, pas 18 000 plutôt. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore?
Ah, j'ai que ça là-dessus que je peux modifier? Ok. Je peux pas faire retour, je suis obligé d'acheter. J'ai pas le choix, je suis obligé d'acheter. Ok, maintenant retour. Voilà, voilà, effectivement, on a la possibilité de faire plusieurs choses. Niveau 10. Ah, j'ai l'impression... Ouais, ok, il m'a mis directement sur la seule pièce que je pouvais acquérir. D'accord. Ok, 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 ok. C'est... Ouais, c'est pas con. C'est pas con, donc à vérifier, mais ok. Là, on a quoi, là? Ouais, pareil, niveau 10. Niveau 15. Niveau 10. Ouais, donc ok, donc faut rouler quoi, faut rouler pour essayer d'acheter d'autres pièces. Même au niveau des pneus, niveau 15, 25, 45. 10, 25, 35, 45, ok. Bon, donc là vous voyez qu'il y a de quoi faire si vraiment tu veux améliorer ta voiture à fond. Cosmétique, apparence. Section édition spéciale, ok, c'est tout, ok. Livré, qu'est-ce qu'on a? La licence, oui, d'accord. Collection de livrées, livrée par défaut, nouvelle livrée, peinture et finition. Eh ouais, Joss, qu'ils ont fait comme sur FM, ouais. Oh là là, vous voyez le bas de caisse? Comme c'est pixelisé, vous avez vu ça? Ah, waouh. Alors, ouais, j'espère qu'ils vont améliorer ça, hein, parce que c'est pas dingue. Hein. Visuellement, c'est pas dingue. Alors, c'est pas gênant quand t'es en course, tu t'en fous un peu. Mais c'est vrai que là, moi, ça me saute aux yeux et c'est... C'est assez bizarre. On va prendre ça. Application d'autocollant. Qu'est-ce que j'ai comme autocollant? Ah oui. Ah oui, donc oui, ok. Donc je vais pouvoir encore... Alors, si ça peut rassurer certains, je vais pouvoir encore... vous faire de magnifiques créations sur les véhicules. Hein, si quelqu'un pouvait en douter. Voilà, comme ça c'est bien. Alors là, franchement, là, c'est pas mal, parce que je pense que peut-être que parmi vous, certains attendent ça avec beaucoup d'impatience. Et voilà, donc là, ça va être cool de pouvoir vous proposer des choses comme ça. On va valider ça, hein, bien sûr, impeccable. Voilà, c'est bien. Les rétroviseurs, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Quoi? Des... C'est nul. Ah bah voilà, écoutez. Non, bah, n'hésitez pas, hein. Franchement, s'il y a vraiment des gens qui sont qui aiment ce que je fais, n'hésitez pas à lâcher des subs, des bits, tout ça, parce que je pense que ça, tout ça, ça mérite aussi, quoi, je veux dire. Voilà, tout ça, c'est aussi important de pouvoir personnaliser son véhicule et de faire en sorte qu'il soit reconnu assez rapidement sur la route, n'est-ce pas? Voilà. Sauvegarder, évidemment, et sauvegardons. Non, mais non, mais non, foutez de ma gueule. 30 000. Ah ouais, mais là, je pourrais pas faire autant de conneries que d'habitude. Ah, mais là, ça, c'est... Non, mais là, non. Là, je peux pas faire autant de conneries que d'habitude. Ça va me coûter une fortune. Sauvegarde. Alors, je peux la sauvegarder sans... sans appliquer. Là, ça coûte rien. Mais si je veux appliquer la livrée, j'en ai pour 30 000 balles. 30 000 balles! Non mais attendez, j'ai foutu 3 stickers et du verre. Ah oui, non, mais là, tout est payant, ouais. Ouais, j'ai dépensé sans compter 30 000 crédits pour ça. Oh, oh merde. Renommer la livrée. Voilà. Oh, j'ai oublié une lettre, pardon, excusez-moi. Voilà. Je pense que tout le monde est d'accord. Voilà. Ah
compliquer la livrée. Non, mais c'est bon, eh oh, ouais. Hein? Normalement, c'est bon là. Dès qu'il s'est sauvegardé. Mais non, mais j'ai sauvegardé. Changement de pare-choc, on peut déjà le faire. J'ai pas accès à tout tout à l'heure, je crois. Oh là là, pièces cosmétiques. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, les gens, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ça? Vitre teintée. Tu vois, la façon, je sais pas ce que vous en pensez, la façon de les petites icônes là, je trouve que c'est mal fou. Ça fait très 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 jeu mobile en fait. Ouais, j'ai payé deux fois. Ouais, bah ouais, je me suis fait avoir. Bah voilà. L'intérieur, on va le laisser tel qu'il est. Il est magnifique. Ok, on va partir de là. Allez. Si tu veux la mettre d'origine, faut repayer. Peut-être. Peut-être. Peut-être, ouais. Eh, en tout cas, elle ne laisse personne indifférent. N'est-ce pas? Voilà. Franchement, impeccable. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Des nouvelles épreuves? On va aller là-bas. Oui, non, j'ai bien vu, ouais, que j'ai payé deux fois, ouais, totalement. D'accord, et comment je sors de là? Ah oui, attends, faut sortir, quoi. Tu peux pas te rendre directement sur une épreuve? Y a pas, téléportation, machin, Non, pas encore, ou c'était plus tard? Ça se débloque, ça, à un moment, je crois, non? La téléportation, non? Je sais plus. Alors ça aussi, voyez ça, voyez le truc, il apparaît pas tout le temps. Ça déjà sur PC j'avais remarqué. Parfois si tu viens trop vite, il faut que tu joues un petit peu pour réafficher la sortie. Bon. Eh, peut-être que le camping est sympa, hein, moi je sais pas. Il y a peut-être des animations au camping, hein? Hein? Bon. C'est ça. Augmenter la réputation. Attirer l'attention sur vous. Je pense qu'avec une voiture comme ça, c'est fait. Franchement, ça peut le faire. Et relever les défis. Allez, go. De plus, non, ça c'est bon. On va y aller. Et il pleut. Et il y a un jeu où il va faire beau. Mais encore une fois, Dragon Wheel, je pense que ce jeu n'est pas fait pour tout le monde. On attend en fait un jeu qui va un petit peu changer de Forza Horizon, de Motorfest. Mais je sais pas si c'est vraiment celui-là que tout le monde attend. Il y a toujours plein de bruits parasites. Je pense que vraiment celui-là, il est vraiment spécifique en fait. C'est du TDU, mais c'est du TDU à l'ancienne. Pour moi, c'est vraiment ça. Et la problématique, je pense que c'est ça, c'est plus, est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je parle en 2024, il va vraiment trouver son public avec ce qu'il propose, avec les PNJ avec les vitres teintées, avec un graphisme qui semble quand même daté. Et puis, il faut voir... Il y aura des choses régulièrement ajoutées là-dessus, quoi. Parce que là, pour l'instant, c'est quand même très très vite, quoi. Tu vois? Moi, c'est plus ça le truc. C'est. On en a déjà débattu à l'époque de la bêta PC. Et c'est vrai que ça va pas plaire à tout le monde. Même moi, franchement, j'attends une alternative. Enfin, une alternative. Oui, j'attendais une alternative. Et j'attends un truc, allez, une nouveauté, tout simplement. Alors, est-ce que c'est cette nouveauté-là qui répondra à mes attentes? Je crois pas, pas à 100%, ça c'est sûr. Mais ça peut être sympa, ça peut être sympa. Mais il faut voir ce que ça va donner dans la durée, quoi. C'est surtout ça, quoi. Ah, impression déjà vue, ouais. Pour moi, j'ai pas l'impression qu'ils aient innové, en fait. Je suis d'accord, hein. J'ai pas l'impression qu'ils aient innové. C'est bon, Dimka. Testé sur PS5, ok. Et ton verdict?
Enfin après, quelle que soit la console, hein, PC, console ou autre, ça, il y aura peut-être des petites, il y a peut-être des petites modifications par rapport à ce qu'on a vu, mais le fond du jeu, est-ce que le fond du jeu, c'est un truc qui te plaît, toi, Bodimka? Est-ce que le gameplay est satisfaisant? Est-ce que les points qui pour toi sont importants te conviennent? Le graphisme, le son, le gameplay, j'en passe les meilleurs, quoi. Ah, les rues sont désertes. Ah, les rues sont vides. Ça, je trouve ça très surprenant, effectivement. Tu vois? Ça reste une bêta. Oui, je suis d'accord. On en avait déjà parlé lors de la bêta PC. La seule différence, là, c'est que cette bêta-là, t'as précommandé le jeu pour pouvoir la tester, tu vois? Donc, c'est qu'a priori, tu vas aller au bout du process, tu vois. Ouais, mais est-ce que l'ADN d'origine de la licence, est-ce qu'elle satisfait encore les joueurs de 2024, tu vois? C'est ça. Il est bien, mais mode multi et solo fusionné. Ok. Bah, c'est ça, Dragon Wheel, c'est ça. Je pense pas non plus qu'il y ait grand-chose qui va... Ils vont pas révolutionner le jeu, hein. Ils vont pas le changer intégralement, hein. Ça c'est sûr. Hein. Sortir de l'épreuve, recommencer, classement, ok. Ah oui, c'est vrai, alors le classement c'est quoi? C'est classement... Oui, d'accord, ok, super classement. Classement en ligne, ok. Ouais, donc t'as un petit classement, ça peut être pas mal. Alors à voir aussi là comment ça va se passer, s'il y a des cheaters ou pas, mais bon, voilà. Il n'y a que TDU comme nouveau jeu de bagnole. Non, il y aura, alors dans un autre style, dans un autre genre, il y aura assez Evo. Assez Evo qui sortira octobre ou novembre, dans ces eaux-là, je crois. Mais alors, c'est encore autre chose. Assez Evo, c'est plus un concurrent d'FM, tu vois. Voilà. Ouais, mais c'est ça, PowerStack, je pense que c'est ça. Et puis, encore une fois, je pense que... Il faut pouvoir se dire, ok, je fais du FH pour ça, je fais du Motorfest pour cette raison-là, je fais du FM ou du ACC ou du F1 ou du Wreckfest, voilà, et ça c'est encore autre chose. Donc ça se rajoute en fait, ça rajoute de la diversité. Mais voilà, est-ce que c'est ce que les gens attendent? Je ne sais pas. Non, le seul truc, c'est ça, c'est... Est-ce qu'il y aura suffisamment de choses à faire? Est-ce qu'il y aura... oui, c'est ça, régulièrement, peut-être du contenu qui sera rajouté. Parce qu'on n'est plus à l'époque de TDU2, quoi. Aujourd'hui, il faut faire vivre le jeu, il faut rajouter du contenu, il faut rajouter des quêtes, il faut rajouter, je sais pas, faire des choses. Est-ce que ça permettra, justement, de le faire vivre longtemps? Je ne sais pas. La bêta devrait pas avoir grand chose à voir avec le jeu car c'est une vieille version du jeu qu'ils ont prévu. Ouais, mais alors encore une fois, pourquoi est-ce que on nous file une version comme ça et pourquoi pas autre chose? Voilà. Ouais, défier d'autres pilotes, c'est cool. Mais encore une fois, les crédits que tu vas gagner, ils vont servir à quoi? Ils vont te servir à acheter des fringues, changer de couleur de cheveux, changer de sous-vêtements, améliorer ta bagnole. Ok. Est-ce que l'objectif, c'est vraiment d'améliorer toutes les bagnoles, de débloquer toutes les bagnoles, de les acheter? Oui. Voilà. Allez. Salut. Ah, il y a TL Amande qui est avec moi aussi. Non mais FH, je pense que personne, alors encore une fois, c'est que mon avis, mais je pense que personne ira détrôner FH, c'est pas possible. Aujourd'hui FH, ils ont tellement d'avance, ils ont tellement
bien fait leur truc. FH, ils sont loin devant pour moi. Très loin devant. Mais encore une fois, faut aimer. Tout le monde, y a des gens qui préfèrent Motorfest, il y a des gens qui préfèrent FH. Il y a peut-être des gens qui préféreront Test Drive. Parce que plus. C'est plus quoi? Plus réaliste, plus. Je sais pas. Après, il y a la map qui joue. Après, il y a les types de bagnoles qui jouent. Il y a tellement de choses. Moi, j'ai vraiment. Non, moi, je l'attends. Franchement, je l'attends. Parce que je veux absolument une alternative à ce qui existe actuellement. Mais je pense qu'on est tous d'accord. Si demain, à la Gamescom, on nous annonce un FH6 qui sort. Oh la vache, que il m'a poussé! Qui sort octobre l'année prochaine. On va tous le prendre. Hein. On est d'accord là-dessus. Hein. Ah ouais, parfois tu perds la bagnole. Ok. Fasciste les yeux fermés. Ben oui, mais voilà, c'est ça. Tu vois, contrairement à Need for Speed, où plus il y avait de nouveaux opus et pire c'était, ben FH5, ouais, ok, FH5 il est un peu en deçà d'FH4, et il n'est pas non plus complètement pété, quoi, tu vois. C'est juste que la map est peut-être pas satisfaisante, tu vois. Non, j'ai pas vu la rumeur, non. Non, là, depuis 2-3 jours, là, j'ai rien vu. Merci Agricam, merci beaucoup. Bienvenue à toi. Voilà. Vous entendez tous ces sons parasites là? C'est très agressif en fait. Non, je. Il va avoir sa place, mais encore une fois, faut le prendre pour ce qu'il est, quoi. Voilà. La version premium, tu parles de quoi de celui-ci? Moi j'ai pris de la gold. Okay. Mais encore une fois, et c'est vrai que ça avait surpris les gens. Je sais pas ce que t'en penses d'ailleurs, Powerslide, si t'es encore là. Ça avait surpris les gens, comme dans une vidéo, j'avais dit que pour moi, Solar Crown, ça ne se limite pas. Ou voire même, le plus important dans Solar Crown, c'est pas forcément les courses. Et je me suis fait, bien évidemment, hein, insulter. Parce que c'est comme ça que ça se passe quand les gens sont pas d'accord. Et je trouve que TDU, c'est ça, justement. C'est, ok, il y a des courses. Ok, tes courses, elles te permettent de, je sais pas, de rentrer dans un classement, de gagner de la thune, tout ça. Mais pour moi, TDU, c'est autre chose que juste les quelques courses qui sont présentes sur la map. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce autre chose, bah, ça va suffire à faire vivre le jeu longtemps? Et il pleut encore, sans déconner, s'il pouvait pleuvoir chez moi, ce serait tellement mieux. Il fait de nouveau 29 degrés. Ah, la version des FH, oui, FH, oui, bah oui, FH, oui. Oui, FH, on est des consommateurs de version premium, gold, machin, quoi. Alors, il n'y a pas un chat dans cette ville. Pas un chat. C'est là qu'on peut faire monter la frime. On va essayer de récupérer un maximum de crédit. Alors je sais plus trop comment il se passe. Ah oui, bah oui, là j'ai été fait. Là, j'ai fait glisser quelque chose. Non, et ce qui est pas mal. Je regarde en vue intérieure. Ah oui, attends. Ah la vache. Y'a que des taxis, y'a que des taxis dans cette ville. Non, le seul truc que je leur reproche là pour l'instant, c'est que vraiment cette bêta pour les précos, ok.
Ouais, ok, je sais pas, ça... C'est un peu too much, quoi. Ouais, alors la pluie à l'intérieur, c'est pas... Ouais, c'est... C'est un effet, ouais. Ouais, pourquoi pas. C'est... Je sais pas, en fait, je sais pas quoi en penser. Ah, plus de vie, ouais. D'accord avec toi. Mood, lifestyle, télé, mais il faut bien... Oui, oui, on est d'accord, on est d'accord. Sur un taxi, faut voir où il va. Ouais, le taxi tout à l'heure, il allait droit dans le mur, hein, donc voilà. Ouais, la pluie, ouais, ok. Alors attendez, on n'a pas un endroit où on peut aller là? Merci Dered, salut, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, merci pour le sub. En fait, il y a énormément de monde stationné, mais il n'y a personne sur les routes. Le truc qui me plaît dans ce genre de jeu, c'est pareil sur FH, c'est au début, tu veux découvrir toute la map, tous les endroits. Et tu vas te noter les 2-3 endroits où il y a des trucs sympas, des trucs qui t'ont plu, et tu y reviens après. Et ça, c'est vraiment cool, ça. Je sais pas combien de temps d'attendre la version finale. Ah oui, oui, bien sûr, ouais. Ah non, mais ça... Mais, encore une fois, pour avoir discuté avec pas mal de monde, j'ai vu personne qui m'a dit « Ah ouais, c'est une vraie masterclass, il est exceptionnel, je suis sous le charme. » Non, personne encore. On va essayer de trouver une épave là quand même. Il y a une épave là qui... Oh, c'est quoi ça? Une jonque chinoise? Ah, on se rapproche. Oh, c'est joli ça. C'est joli. Where... Ah bah, eh. Voilà. Une épave. Ma première épave. Enfin, ma première épave. Mon premier morceau d'épave. C'est jour férié, tu crois? Félicitations. Vous avez découvert vos premières pièces. À partir de maintenant, vous pouvez la consulter dans votre garage. Vous trouverez aussi l'information sur votre carte. Voilà, parfait. Ok, alors attends, on va voir ce qu'on a encore à faire. Il y a une petite course quelque part, ça c'est quoi ça? C'est un radar, ça c'est un radar, là-bas il y a un radar. Bon, la map est assez vaste hein, quand même. Hein. Mais c'est vrai que si c'est vide, c'est triste. C'est très triste. On va aller se rendre là-bas. Un sondage, ouais, j'aurais fait un sondage là. J'aime bien. Non, la physique est pas trop mal. Pourquoi il roule sur le trottoir? Ah, mais les PNJ ils sont paumés. Hein. Les PNJ ils sont paumés. Ça roule sur le trottoir, tranquille, ok, d'accord. Ça rentre dans le mur là tout à l'heure, ok, d'accord. Pourtant, ça fait pas, ça fait pas 15 heures que je joue hein, là. Première rencontre avec les PNJ, un peu douteux quand même. Hein. Wow, on se calme, monsieur. Ça va, Aurel, en forme? Ah, si t'as précommandé le jeu, t'as accès à la bêta. Enfin, sur console. Cette fois-ci, c'est console. Ouais, en fait, c'est vrai ce que tu disais de Power Slide tout à l'heure. Le bruit de la pluie couvre totalement le son du GPS. Ah ouais, effectivement, au niveau du son, c'est pas top, hein. Ah, il y a des réajustements à faire au niveau du son. Parce que vraiment, il y a trop de parasites. Enfin, parasites, pas forcément, mais
c'est mal calibré. Moi je note pas de différence. Apparemment il n'y a pas de différence avec la version PC. C'est la même bêta que la précédente. Donc non, il semble que ce soit la même chose quoi. Il faudrait que ce soit pareil. Donc pas travailler dessus, enfin du moins pas plus sur console que sur PC quoi. Voilà. Voilà. Tac. Qu'est-ce que je cherchais là? Attendez, alors, bougez pas. Hop. Alors. Allez, un petit sondage, vous avez 3 minutes. Allez, un petit sondage que je viens de vous poster pour vous. TDUSC, c'est un immense yes, totalement non, pourquoi pas, j'attends la version finale, ou alors pas convaincu. Je vous laisse regarder ça, n'hésitez pas à voter. D'accord, ça c'est moi. Salut Bijou Fusée, comment ça va? Allez, nouvelle course, nouvelle récompense. 60 euros, moi je sais plus combien je suis, 80 euros la version gold pour avoir accès à la version bêta. Oh, ce son c'est horrible. Qu'est-ce qu'il fout devant? Ah, je prends le mur évidemment. Ouais bah c'est un instant gaming hein, malheureusement. Pas dehors, roule, allez, vas-y, roule. Oh, mais c'est vrai que ce son là, c'est. Ouais, bah j'espère que la version finale sera mieux. J'espère. On l'espère tous d'ailleurs, hein, évidemment. Un avis neutre, j'ai pas fait les deux premiers, ok. Bah, en fait c'est pas tellement une question de est-ce que t'as fait les deux premiers ou pas, c'est est-ce que aujourd'hui ce type de jeu avec ce qu'on a à côté, avec du Motorfest, du Forza Horizon, je parle en monde ouvert hein, est-ce que ça a sa place, est-ce que ça te branche? Voilà. Est-ce que ce que tu vois, est-ce que ce que tu as pu lire, ce que tu as pu tester, est-ce que ça te paraît cohérent? Voilà. Tu vois, c'est ça en fait.
Un mode solo, bah un solo, ouais, pour moi c'est que du solo, hein. Enfin, tu roules avec d'autres quand tu fais des courses, mais en dehors de ça, voilà. Tac tac tac. Alors là, effectivement, faut juste que je vois au niveau de la difficulté. Là, j'étais en expert au niveau de la conduite. Il y a sa place tout pour le jeu en monde ouvert. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a rien de nouveau parce que c'est compliqué à faire un monde ouvert. Très compliqué. Super. Oh, j'ai plein de sous-sous. Pouvoir acheter des voitures, plein de nouvelles voitures. Modifier le son, j'ai pas l'impression qu'on puisse modifier en fait. Tu vois, par exemple, le son moteur par rapport au son extérieur, par rapport au son du GPS. Je pense qu'il faut baisser certains sons. Tu vois, il y a de nouveau un truc qui pète quelque part. Il y a toujours un truc quelque part qui te. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? En audio, tu vois, j'avais déjà baissé le son du joueur. Alors, est-ce qu'il faut le baisser encore plus? Pour la radio, tout ça, tout ce qui est musique, tout ça, je dégage parce que ça m'emmerde. Ça m'intéresse pas. Attends, qu'est-ce que je cherchais? Tac. Tu vois, c'était quoi ce bruit? Il y a que ça en fait. T'es en mode photo, t'entends un truc. Là, t'es à l'arrêt, t'entends un truc. Vraiment bizarre quoi. Qu'est-ce qui se passe? Y'a des mecs qui sortent leur poubelle là? Je sais pas. Je comprends pas. Je sais pas. Tu vois, y'a tout le temps autre chose. C'est quoi ça? Ah mon dieu, c'est nul. Ouais, effectivement, Flol. Moi, j'attends beaucoup l'update de Motorfest. Franchement, ouais. Mais c'est quoi? C'est des Yakuza là qui se font la guerre? Ils sont dans le resto là, c'est sûr. Ils sont dans le resto. Ils sont en train de régler leur compte, c'est sûr. C'est certain. Mais le mec, n'empêche que il pleut, mais le gars il a quand même sorti sa table et ses 3-4 tabourets là. Hein. Vous avez vu, il attend quand même du monde sur sa terrasse. Hein. Oh mon dieu! Ah la vache! Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah oui, alors attends, voir. C'est où la difficulté déjà? C'est où la difficulté? Compétition, on s'en fout. De la règle. Est-ce qu'on peut régler la difficulté quelque part? Réglage de voiture. Ok, c'est pas faux. Mode de conduite. Réputation niveau 20 requis. Ok. Ok. Bizarre. C'est quoi ça? Ça c'est les pneus aussi niveau 25. Ok. Ouais, mais à l'époque c'était une révolution. Il y avait rien non plus en face de ça quoi. C'est ça le problème. Hein. C'est ça le truc hein, en fait. Hein. C'est qu'à l'époque t'avais que dalle. Ouais, mais là je suis en expert en fait. TDU et moi, ça c'est tout ce que j'ai pu faire donc. Ah oui, à un moment tu débloques le clan aussi. Tu vas pouvoir choisir ton clan, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, bah aide à la conduite, hein. Expert.
Ça c'est afficher les trucs, on s'en fout. Rigueur. Réglage de la voiture, donc d'accord. Collection de voitures, j'en ai qu'une seule pour l'instant. Ah oui, c'est vrai, j'ai un morceau sur 14 de l'épave. La première épave que j'ai trouvée. Ça c'est quoi? Ça c'est la galerie photo, donc j'ai aucune photo. Ça ce sont les options. Alors pareil, il me semble qu'il y a la possibilité, parce que là je crois que j'ai démarré en mode, je crois qu'on n'a pas le choix, en mode graphique. Et il doit y avoir un mode performance quelque part. Et je pense qu'il faut redémarrer le jeu pour que ça soit actif. Ah, et encore un bruit, et encore un truc, c'est un truc de fou, hein. Retour dans les modes de conduite et descente tout en bas pour changer le mode de la voiture. Là, elle est en normal. Conduite. Qu'est-ce qu'elle devrait être en quoi? Pas la bêta, hein. Ouais, c'est ça. Hein. On a qu'un seul mode, hein. On a que du graphisme. Hein. Ouais, c'est ça. Je comprends pas pourquoi non plus. Pourquoi ils ont fait ça? Je comprends pas. Là, vraiment, je pige pas. Ah, mais c'est bizarre en fait qu'on puisse pas changer plus que ça. Aide à la conduite. Moi, ce que je veux, c'est la difficulté en fait. Accès à la difficulté. Ah, là, t'as des trucs. Attends, 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 attends. Ah, attends, attends. Tu choisis des trucs aussi. Ici, mode pluie, dynamique, sport. Là, c'est stock. Ok. Mais là encore, il faut monter de niveau pour pouvoir débloquer les choses. Dans ta voiture, dans ma voiture. Ok, dans ma voiture. Tu veux que je fasse quoi? Que je rentre dans ma voiture? Je suis dans ma voiture. Oh, ce petit drapeau blanc. Eh, bleu, blanc, rouge. Eh, en plus avec la petite porte verte à l'intérieur. Mais c'est toute beauté ça! Oh, mais c'est magnifique ça! Rien que pour ça, faut acheter le jeu. Et l'écran est allumé, mais par contre, il n'y a rien affiché dessus. Dans ma voiture. Ok, voilà, j'ai juste. Non, non, ouais, la couleur, c'est une masterclass. Hein. Je veux rien savoir. Ça, c'est pareil, tu vois. Alors, ça, c'est pareil. Mais vraiment, en toute franchise, est-ce qu'il y en a qui vont vraiment. Mais vraiment, en toute franchise, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y en a qui vont vraiment s'amuser avec tous ces trucs, tous ces modes ici? Le fait de pouvoir mettre les essuie-glaces, de pouvoir mettre le clignotant, de pouvoir. Et ainsi de suite. Est-ce qu'il y en a vraiment qui vont s'amuser avec ça? Clairement. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Tu y étais, faut que tu montes de niveau. Rien à foutre. Tu vois, comme ça, c'est clair. Tu vois? Non, mais c'est bien, mais. Voilà, je vais arrêter les essuie-glaces, ok, c'est bien. Là, je vais allumer les phares, ok. Je sais pas, en fait, je sais pas. M'en fous. C'est comme moi là, c'est comme moi le personnage au début, quoi. Je m'en fous aussi, quoi. Rien à battre, quoi. Tu y étais, mais faut que tu. Ouais, c'est ça, faut que je monte de niveau, on est d'accord, ok. Ah, bah, bien sûr, je trouve ça super. Oui, mais c'est ça. Mais encore une fois, je pense que le mode. Enfin, entre guillemets, le mode RP, il va pas plaire à tout le monde. Et puis je pense pas que le fait. Regarde! Voilà! Putain, eh non, mais ça fait deux! Ça fait deux! Comment le gars est arrivé là-haut? Comment? Entre le mec de tout. Alors là, celui-là, par contre, je vais pas pouvoir l'aider. Hein. Là, il va falloir qu'il se démerde tout seul. Hein. Là, celui-là, je vais pas pouvoir l'aider. Je sais pas comment, je sais pas d'où il vient. Regarde ça, il y a que des taxis dans cette ville, il y a que ça. Il y a que ça. Tiens d'ailleurs, attendez, hey, les résultats du sondage. Donc, à la question, pour vous, TDUSC, Test Drive Unlimited Solar Crown, c'est un immense yes
Alors 36%, 29%, j'attends la version finale, 29% pas convaincu, 7% pourquoi pas. Par contre, personne n'a mis totalement non. Voilà, donc voilà, je pense que ouais, faut attendre la version finale, voir ce que ça va donner. Et puis voilà quoi. Notamment ouais, ne jamais prendre un taxi chinois, tout à fait. Mais y a que ça. D'où il vient? Mais d'où il vient? Et c'est pas vrai! Et c'est quoi? Oh la vache, il a réussi à sortir de son truc! Par contre, il est sorti de son truc, mais il a même pas abîmé la clôture! Je sais pas comment il a fait, hein. Je sais pas comment il a fait, le gars, hein. Oh là là, et voilà, c'est le même, je pense que c'est le même. Ah ouais, ça lag, ah ouais, ça lag. Tu vois, le seul truc qui me fait peur, encore une fois, même par rapport à la version PC, et encore la différence, c'est que là, il faut payer pour pouvoir accéder à la bêta. C'est que les mecs, ils voient ça, ils disent, ok, je veux bien finir la bêta, mais après la bêta, je demande l'annulation, quoi. Oh, bah c'est. Je m'attendais un petit peu. Enfin, l'histoire des PNJ, j'avais pas ça, je crois, sur PC. J'ai pas souvenir d'avoir eu autant d'emmerdes. Enfin, autant d'emmerdes. Des trucs autant bizarres, quoi, on va dire. En même temps, en voyant ça m'étonne pas qu'il y ait personne qui live sur Twitch, qu'il y ait personne sur ce jeu. Ça m'étonne pas trop, tu vois. Mais c'est bizarre quand même. Tu la trouves plus finie que sur PC? Plus finie sur PC que là-dessus? Ok. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas. Et encore une fois, j'ai pas l'impression que le son, c'était aussi violent au niveau des changements de rapport. C'est bizarre. Non mais vous l'avez vu celui-là? Vous l'avez vu? Non mais vous l'avez vu monter? Non mais c'est pas possible! Ah, c'est une blague! Non mais les PNJ c'est une blague! C'est pas possible! Non mais c'est incroyable! Je crois que je vais faire ça. J'ai 2-3 trucs à faire cet après-midi, je crois que je vais vous laisser tourner le live. Je vais mettre en endroit où il y a des PNJ. Je vais couper la caméra. Et puis vous me raconterez. Non mais c'est pas possible! Hop, 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 hop. Incroyable. Par contre, ce qui me surprend, c'est qu'il y a... Ouais, il n'y a pas beaucoup de joueurs en fait. On va pas croiser beaucoup, hein. Bon, s'il y a aussi peu de circulation, on devrait pouvoir faire monter le niveau de frime assez rapidement. Ah, c'est que 1000. Ah ouais, c'est pas comme ça. Quelqu'un est déjà allé au maximum de la frime? C'est combien de crédits qu'on récupère au max? Il y a tout le temps des bruits parasites! Tout le temps! Eh, c'est la guerre des gangs ici ou quoi? Quand te percute, je pense que tu perds aussi ton niveau de free, il me semble. Ça casse ta progression, je pense.
Merde, c'est pas ça que je veux faire. Comment on sort de là? Dans cette salle-là? Oh, ok. Ça tombe à zéro, ouais. Ouais, c'est ça, ok. Bon, visuellement, c'est pas mal. C'est correct. Les différentes caméras font pas mal. Ah, le PNJ magique, ouais. Ah, 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 on a quoi là? On a quoi là? Ah, ça freine pas! Allez, ah, c'est vrai que j'ai. Je remets encore les touches avec les l'accélération et. Ok. Ah, je peux rentrer! Je peux rentrer! J'ai pensé à un ancien Need for Speed. Ouais, mais alors un bon Need for Speed! Pas les Need for Speed Payback. Mince, Payback, Hit et Unbound, c'est ça. Il y a Call of qui se joue dans les montagnes. Peut-être. C'est un cross en fait. C'est un cross. Ça... Oh! Eh! Hey m'a piqué ma tenue! Bah dis donc! Eh hey, Hervé 1987, tu m'as piqué ma tenue, dis donc. Franchement, ça, ça le fait pas, ça. Hein. Moi, je pensais que j'avais une tenue unique. Eh ben, franchement, je trouve ça décevant. Moi qui pensais avoir fait appel à un grand couturier. Vraiment, vraiment déçu. Hein. Vraiment déçu. Hein. Qu'est-ce qu'on peut acheter ici? On peut acheter une abarthe. Oh, bah oui. Et vous la voyez vous, est-ce que vous la voyez venir, celle-là? Est-ce que... Vous imaginez? Est-ce que vous avez en tête ce à quoi je pense? Est-ce que, quelque part, ça vous donnerait pas ah, des envies un peu particulières? Moi, je pense qu'il faut pas résister trop longtemps. Alors, on va prendre la voiture de base, parce que bien évidemment l'objectif c'est d'en faire... Quelque chose d'except... Ouh, ça c'est joli. Ah, ça irait bien avec le... Ouais, on va prendre ça. Là, on s'en fout. Allez. Vous pouvez changer de véhicule au Solar Hotel via votre garage. Et pas... C'est quoi ce bruit? Votre nouveau véhicule. Vous avez vu avec quel regard envieux elle a regardé ma voiture avant de me la donner? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Oh, j'ai gagné autocollant! Récompense de quête! Magnifique! Alors attendez, que je retrouve sur la map. Il faut que je trouve un endroit... où est-ce qu'on était tout à l'heure? On était quelque part là-bas, loin. Ouais, attends, il était où l'atelier? Là. Excusez-moi, j'ai 2-3 petites retouches à faire sur la voiture. Histoire de la rendre un peu plus jolie que ce qu'elle n'est déjà. Très important. Primordial même, j'ai envie de dire. Où est-ce que je trouve ma bagnole? Comment est-ce que je fais pour modifier ma bagnole? Changer de véhicule? Comment ça, changer de véhicule? Moi, je vais prendre celui-là, mais c'est ça que je veux faire. Je veux modifier... C'est où? C'était pas là qu'on modifiait sa caisse? Qu'on la customisait? Pourquoi il court, lui? Ok, ça court. Allez, on va aller là-bas. Alors, cosmétiques, apparence, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, ok, livrer,
Nouvelle livrée, finition et peinture. Alors, il n'y a pas, non, il n'y a pas de verre d'origine chromé. Allez, on va changer de style un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez du satiné? Oh, du chromé, un beau vert chromé. Ça peut être pas mal. Ça changerait pour une fois. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On va partir là-dessus. Application d'autocollant. Non, peut-être pas. Si? Feuille de sauron. Voilà. Ouais, ça va le faire comme ça. Ouais, ça va le faire. Comme ça, ça va le faire. Ça va être joli, magnifique, impeccable. Impeccable, j'ai envie de vous dire, franchement les gars, une masterclass. Non, je veux... Comment est-ce qu'on sauvegarde déjà là-dessus? C'est sauvegarder... Appliqué pour 30 000 balles. Comment ça, c'est de la merde? Mais je vous permets pas, monsieur! Ou madame, d'ailleurs. Oh, quelle magnifique voiture! Ça, c'est fait! Voilà. Mais bon, c'est vrai que en soi, c'est quand même pas fou en termes de contenu, quoi, là, pour l'instant. Voilà, débloquer toutes les routes, faire les courses, l'intégralité des courses, trouver les comment ça s'appelle, les épaves. Ah, waouh. Hey les gars. En plus avec, avec le look que j'ai moi, mais franchement c'est... Les gens, je sais pas, j'ai pas essayé. Regarde-moi ça. Ce qui est très bizarre par contre, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait le reflet de la lumière. Ah, ça c'est génial. Le son sur les pavés. Ça c'est énorme. Bon là par contre sur des grosses dalles ça fait le même bruit que sur les pavés. Bon ok, passons. Ça je trouve ça génial par contre. Pareil, rouler sur la route mouillée comme ça. Le son est sympa. Ouais, exact, Joss, exact. Oui, et encore une fois, ce qui est bien, c'est qu'en termes de son des véhicules, t'as vraiment des choses différentes. T'as vraiment des sons différents. Et ça, c'est cool. Mais il y a encore un sacré équilibrage à faire en termes de son. Le son intérieur, extérieur... le bruit de la pluie, de la flotte, des PNJ, tout ça. Il va falloir encore bosser dessus. Hein. Et puis tous ces sons parasites là qui apparaissent, on sait pas pourquoi. Même des changements de rapport quoi. C'est waouh! Bon, encore un jeu auquel je jouerai en troisième personne, comme ça. Parce que sinon tu profites pas de la bagnole, en fait. On n'est pas sur du ACC ou du FM ou du j'en crois c'est des meilleurs. Donc c'est vrai que jouer en vue intérieure, pour moi ça me paraît un peu... Enfin, ce serait dommage. Ah, mais c'est le petit marché local. Là aussi, il n'y a personne, quoi. Y a personne derrière les stands. Ah, c'est un peu vite quand même, c'est dommage. Je vais leur péter leurs échoppes. Ok.
Ouais, la map est assez grande. De pouvoir tout découvrir, ça va être sympa. J'espère, je pense. J'espère aussi qu'il y aura vraiment des quartiers très différents les uns des autres. Et là, la montagne qu'on avait déjà un petit peu parcourue tout à l'heure, l'endroit était plutôt cool. Non, c'était ici, pardon, ouais, c'était ici. L'endroit était plutôt sympa. Donc, ouais, j'espère vraiment qu'on aura des choses très différentes par endroit. Peux m'y rendre aussi là-bas, on va encore faire ça. Qu'est-ce que j'ai comme sous pour pouvoir... Qu'est-ce que je peux acheter encore? Quoi ça vaut ça? Ah, 825 000 crédits! Ouais, effectivement, ça pique un peu. Ça vaut 88 000. Ça, j'ai pas assez, mais bon, c'est pas trop loin. Trente-deux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, c'est sympa. Non, mais c'est en tout cas ce qui est bien. C'est que ouais, t'as pas forcément des voitures que tu vas débloquer, qu'on va te filer 40 caisses à tout bout de champ. Dès que t'as fait une épreuve, tu gagnes une bagnole et ainsi de suite. Ça, c'est bien. Va falloir la mériter et va falloir se poser la question, est-ce que vraiment j'ai envie de dépenser autant d'argent que j'ai durement gagné? Voilà, ça c'est cool. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai eu? Un trésor? Ok, pas mal. L'objectif c'est... Alors c'est quoi le trésor? Autocollant, trésor radiant. Ok. Et là il faut atteindre le niveau 12 de réputation. Bon ben voilà. La bêta elle se termine quand? Le 18 je crois de mémoire. La première bêta. Je crois qu'il y en a une autre après. À voir. Et puis le jeu avec la version Gold, on est en accès... On est en accès anticipé de 7 jours. Donc 7 jours avant le jour J. Donc bah voilà. Tu vas acheter toutes les voitures, tu gagnes facilement de l'argent avec les courses et l'exploration. Ok. Ouais, t'en avais parlé, effectivement, je me souviens, ouais. Je me souviens que t'avais dit que t'avais vraiment tout débloqué déjà. Ok. Bonjour. Ça va? Forme. Oui. Quelle? Okay. Elle a disparu. Bon, voilà. Voilà. Voilà pour cette petite démo de TDU SC. Bien évidemment, s'il y a des joueurs qui comptent le prendre, on va voir aussi ce que ça donne. Ça aussi, il faudra voir comment ça peut se goupiller en multi, en coop, qu'on fait beaucoup sur Forza Horizon 5. Donc, bah, s'il y en a qui veulent rejoindre le Discord, n'hésitez pas, je vous ai mis le lien du Discord et le Discord. Entre guillemets FH monde ouvert et vous avez l'autre Discord pour tout ce qui est ACC, F1, WRC, FM, j'en passe, ah, tous ces sont parasites, j'en passe et des meilleurs. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez des questions. Et puis voilà quoi. Il n'y aura pas de crossplay? Ah bon? Ah, j'étais persuadé qu'il y en avait, moi. On va essayer de trouver encore le morceau d'épave. Ah là, je suis sûr que c'est dans ce coin-là. Et ouais, je me rapproche. Ça bip, ça bip, ça bip.
La barrière peut-être. Ah oui ! Ah oui ! Et voilà. Encore un autre morceau d'épave. Salut Padboy 53, ça va bien ? Qui c'est qui vient là ? Eh bien bravo ! Je vais faire un constat, monsieur. Ça va, Padboy, merci beaucoup. Bon, alors t'as 14 morceaux par épave. Combien d'épaves il y a, je ne sais pas. Eh ben, tu l'as récupéré. Ah, le son des cailloux, tout ça, de la flotte. Eh, c'est franchement bien fait, ça. Ça, c'est franchement sympa. Est-ce que je peux passer au-dessus ? Oui. Ah oui ! Yes ! Yes ! Yes ! Ça, ah, hey, incroyable ! Je l'ai fait ! Magnifique ! Incroyable ! Eh, hey, Rémi Julien n'a qu'à bien se tenir, moi je vous le dis. Attends, je vais là. Il n'y a que deux épaves ? Pas plus ? Non mais je parle pas forcément dans la démo. Vraiment dans le jeu final, j'espère qu'il y en aura plus que ça. Dans l'absolu, ça fait beaucoup de pièces. Mais que deux bagnoles, ça fait peut-être pas grand chose. Ah, on la refait. Wouhou ! Magnifique ! Et il ne gagne pas de crédit pour ça. Oh ! Le building en face, là, qui est illuminé. C'est sympa. Et ouais, c'est vrai que c'est désert. Il n'y a pas un chat, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. On peut péter ça ou pas ? Bon allez mesdames et messieurs, on va se quitter là-dessus pour cette petite, ce petit premier live de la journée. Ouais, le jeu est vraiment vide, ouais, c'est vraiment dommage, ouais. Ouais, ouais, ça c'est con ça. Je sais pas si vont remédier à ce problème. On verra. Allez, on se quitte là-dessus. J'espère que ça vous aura donné un petit aperçu du jeu en version bêta sur console Xbox Series X. On y reviendra, je pense, incessamment sous peu, bien évidemment. Et puis, c'est sûr, on y reviendra une fois que le jeu sera définitivement sorti. C'est au mois de septembre, c'est ça, le 12 septembre. Donc, 7 jours avant. 7 jours avant pour l'accès anticipé. Voilà. Je vous remercie. On se retrouve bien évidemment cet après-midi, ce soir, enfin bientôt, pour faire la saison Forza Horizon 5, comme d'habitude, sur en coop. Et puis, peut-être qu'un peu plus un petit peu avant, peut-être qu'il y aura du Motorfest, je sais pas encore. C'est quoi tous ces bruits ? Mais arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez avec ces bruits ! Ça y est, c'est silencieux. Bon après-midi à tous, amusez-vous bien. Ciao, salut.